Alors les amis, on va se faire ce bunker. Donc je le connais pas du tout, j'ai aucune idée, je ne sais pas comment il est, s'il est grand, petit, si c'est juste un casemate. En tout cas, je vois qu'il y a un orifice pour un canon, à droite je vois une meurtrière, je vois pas ce qu'il y a. Écoutez, on s'y rend, on se retrouve là où on va tout de suite. Alors, on y est, celui-là je pense qu'il a pris sur la gueule. Il a pris sur la gueule et il est un peu plus grand que ce que je pensais. Ah ben en plus l'entrée là, je l'ai pas fait exprès. Allez, on va voir. Alors, il y a une entrée, je sais pas si c'est l'entrée principale. Alors, ah ouais. Alors, ça joue patate. Alors déjà les cisaillés. Ah ouais, quand même, je ne le voyais pas comme ça. Là on a une petite pièce. Putain, il se cisaille. Alors celui-là on va faire gaffe, c'est de pas trop taper là. On sait jamais. Donc on a toujours les mêmes pièces, donc apparemment ça serait les magasins à Grenade ou à Aulu. Je crois qu'on est dans une pièce. Visiblement il n'y a plus rien, mais on reconnaît les passages de canon de mortier. Je peux passer devant. Merci. Impeccable. Tout ce temps celui-là, il se cisaille sur lui-même. Là, il y a une grande entrée. Sur la latrine qui ne sont plus. Ça flotte. Voilà, ça tombe sur rien. Il y a, je sais pas si vous voyez de là, un peu ce qu'on a vu sur d'autres bunkers, une petite fente là-haut. Non, c'était fait généralement pour soit passer un snipe, un canon de fusil de sniper, ou pour guetter. Ah punaise, j'ai mis les pieds dans la flotte. Je suis baptisé pour celui-là. Ranger le pack batterie, j'ai plus de batterie sur la cave, donc je recharge en même temps que je filme. Mets un peu de renfort avec ta lampe devant. Merci. Ouais, pas mal. Donc là, ventilation. On va vite faire là-bas. Qu'est-ce que c'est ? Source naturelle là, donc je sais pas si c'était fait exprès, si c'était fait pour drainer ou pour récupérer de l'eau. Donc, je vais sortir en reculant, il n'y a que ça que je peux pas me retourner. Les gars, putain, j'ai loupé la marche. Là il y a un pied avant. Là, surtout
Prenons ça donc toujours pareil avec les orifices pour canon. Donc ça défend. Alors je sais pas si c'était des casernes en bas. Je sais pas si c'est un petit village là-dessus. Là, je pense que c'était fait pour protéger la route, pour la guetter du moins, et la défendre. Donc là il y a deux trous, je sais pas, ouais, à mon avis il devait y avoir la mitrailleuse ou le canon. Donc là c'est pareil. Donc ils ont été retirés, ça a dû être désarmé, enfin ça a été désarmé. Il y a une petite bestiole. Bizarre, j'aimerais bien qu'ils sont en train d'une araignée et cliquer. Et donc là. De peinture, donc les graffeurs qui sont passés par là. Ah ben là, ça, on voit la lumière du jour. D'accord. Et donc là, il y a une sortie. Bon, ben écoutez, on va sortir par là. Alors, hop. Ah putain, c'est mon sac qui bloque. Pas l'ouvrir plus. Donc j'ai le bras sur les orties, ça fait plaisir. Wow. Bon bah c'est bon, je suis vacciné. Alors, donc là, il y a une lucarne. On a ça. C'est là qu'on est venu. Pardon, c'est là qu'on vient de sortir. Donc il y a ce bloc là. Ce bloc là, et nous on est venu de là-bas. Je parlais des petites meurtrières. J'essaie de ne pas se foutre en l'air. Je vais vous montrer. Viens pas là, hein, reste, c'est dangereux. Donc là, il y a une petite meurtrière et. Il va y avoir un gars dedans, donc avec un fusil. Bon, devant c'est trop accidenté, je vais pas y aller, je vais essayer de voir par l'autre côté si je peux vous montrer. Du coup voilà, nous on est rentré par là-bas. Vous voyez, il est quand même pas malin. Il n'y a pas d'autre sortie. Non. Alors, on va voir sur le côté là. La même chose avec une toute petite meurtrière, vous voyez, juste de quoi sortir un fusil. J'aimerais bien vous montrer devant, on va essayer de passer par là. Alors, on est devant, donc c'est ce qu'on voit depuis la route au final. Vous voyez, une meurtrière et un trou tout fin avec deux plaques de métal pour bloquer les balles. Et là, vous voyez, là, on voit les fondations. Donc ça s'est décrouté. Là il y a un bloc, je sais pas si on l'a vu ou on a dû le voir. Mais là voilà, c'est en train de s'ébouler, enfin du moins c'est s'ébouler. Donc je sais pas si les caillasses étaient mises là pour le camoufler. Certainement, je pense qu'il devait être camouflé vraiment et les caillasses sont parties. Il devait être camouflé par la roche en fait. Par contre, il est en train de se cisailler dedans à l'intérieur. Donc je pense que d'ici quelques années il sera plus visitable. Même là, je vous déconseille fortement d'entrer dedans. Donc là c'est pas malin ce qu'on a fait, on a pris des risques, hein. Ne refaites pas la même chose. Au moins on a de la chance. Vous n'aurez certainement peut-être pas la même chance que nous. Donc là vous l'avez vu, vous avez vu l'intérieur. Donc ça sert à rien de retourner dedans pour aller le voir. Donc là, vous voyez là, il y a des escaliers ici. Et apparemment ça s'est éboulé, donc je sais pas ce que c'était, on dirait une rigole pour tenir de l'eau, je sais pas ce qu'il y avait là, hein. La forme est bizarre en fait, vous voyez, ça fait comme une goutte d'eau, je sais pas, c'est bizarre. Ici là, à ce niveau là, on voit une prise d'air, et donc nous on est rentré par ce bloc, et on va essayer de repartir par là d'ailleurs. Alors, là où on distingue un peu de ferraille, je sais pas si vous la voyez, il y a de la ferraille qui sort, donc je sais pas si c'était pour retenir quelque chose, s'il y avait peut-être certainement un treuil pour monter des munitions.
Alors là, je viens de retrouver un morceau d'os. Je sais pas ce que c'est comme. Je peux pas vous dire. J'ai vu, c'est comme ça. On remet là où on l'a trouvé. Une carne ici. Et donc, on va faire le tour parce qu'il y a des buissons. Bon, on est rentré par là. Je vais vous refilmer l'entrée. Donc il est vraiment dans un piteux état celui-là. Donc je le répète encore, honnêtement, vous l'avez vu, n'y allez pas, ça sert strictement à rien. Vous verrez pas plus que ce qu'on a vu nous, à part vous mettre en danger. C'est risqué à la base d'explorer un édifice comme ça, surtout que bon, apparemment il a vraiment pris sur la gueule, mais lui dedans il se cisaille quoi. Donc n'y allez pas. Les amis, je vous laisse sur ce magnifique paysage. Et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Allez, ciao ciao les copains, à bientôt.